Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de série mathématique. Un symbole qui est intimement lié à cette notion est la lettre grecque majuscule sigma, dont la signification est somme. Il nous faut d'abord reprendre la notion de suite. Alors, j'ai pris ici un exemple. On a les différents nombres, moins 3, 1, 5, 9, 13, 17. Ça constitue ce qu'on appelle une suite du point de vue mathématique, c'est-à-dire un ensemble de nombres, et on va matérialiser ceci avec le fait qu'une suite est une application notée UN qui va de l'ensemble N ou N étoiles plus généralement vers R, tel que à N, on associe le nombre UN. Donc dans cet exemple, on aurait U1 égale moins 3, U2 deuxième terme de la suite égale U1, U indice 3, troisième terme de la suite égale 5, U indice 4 égale 9, U indice 5 égale 13, U indice 6 égale 17. Rappel du point de vue notation, on note U et puis indice N, donc le N est juste en dessous de la ligne de base et il permet de différencier les différents éléments de la liste. Voilà, prenons un autre exemple de suite. Suite donnée par son premier terme U1, égale 1, U2 égale 1 demi, U3 égale 1 tiers, donc on a la suite 1, 1 demi, 1 tiers, on imagine bien une suite absolument logique avec ça, c'est 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, etc. Donc on a ce qu'on appelle le terme général de la suite, ici UN, qui est donné par 1 sur N. Alors ce qu'on peut associer à cette suite, c'est une autre suite. On appelle une suite ou qui est une suite de ce qu'on appelle des sommes partielles. Donc on a les différents termes U1, U2, U3, etc. Alors on fait S1, S1 c'est U1. Donc on prend le premier terme. Ensuite S2 c'est U1 plus U2. Puis S3 qui vaut U1 plus U2 plus U3. Puis S4, U1 plus U2 plus U3 plus U4, etc. Donc Sn est égal à U1 plus U2 plus U3 plus U4, U5, U6, etc. UN-2, UN-1 plus U1-10n. Donc on crée en fait une nouvelle suite, S1, S2, S3, S4 et ainsi de suite, Sn. Bien entendu, ça continue pour autant que la suite de départ soit infinie, ce qu'on prend toujours, pour pouvoir faire justement cette suite de sommes partielles. Alors, cette suite de sommes partielles est justement ce qu'on appelle une série. Et ce sera la série dont le terme général est repris du terme général de la suite de départ. J'avais au départ la suite 1 sur n. Alors, on va appeler la série, donc ce symbole somme, qui illustre ces sommes partielles, la somme des éléments de la forme 1 sur k. Voilà pour ce qu'on appelle une série. Une série, c'est une suite de sommes partielles. Donc, de manière générale, on a une suite U indice n, donnée par son terme général U indice n, et on fait cette suite de sommes partielles. Donc, on a S1 qui vaut U1, S2 qui vaut U1 plus U2, et ainsi de suite. Donc, pour n'importe quel n appartenant à n supérieur ou égal à 1, Sn est la somme U1 plus U2 plus U3, etc. plus UN. D'ailleurs, on a le symbole somme qui matérialise ceci. Somme pour k allant de 1 jusqu'à n des U indice k, qui signifie bien qu'on commence avec la valeur k égale 1. Donc, on remplace k par 1 ici, ça fait U1. Le symbole somme plus, on remplace k par 2, on incrémente à chaque fois d'une unité, on remplace k par 2, ça nous fait U1 plus, et on a le deuxième terme U2, ensuite plus, et on passe au terme suivant, ça fait U indice 3, plus, etc., et on s'arrête quand on a atteint celui qui est ici, U indice n. Donc on crée une nouvelle suite, S indice n, de somme partielle, qui est la série. Cette série est notée série de termes général U indice K. Si je reviens sur le premier exemple qui a été pris, donc la suite UN donnée par moins 3, 1, 5, 9, 13, 17, alors on constate ici qu'on fait à chaque fois plus 4, on a affaire à une suite qui est une suite
arithmétique avec comme terme général U indice n est égal à 4n moins 7. Donc on le vérifie avec U1, ça fait 4 moins 7 moins 3, U2, 4 fois 2, 8 moins 7, 1, etc. Donc on a la série associée qui est la série de termes général 4k moins 7. Et en l'occurrence, cette suite va, ou la série va diverger, puisqu'on constate bien qu'en additionnant, j'ai S1 qui vaut moins 2, puis S2 qui vaut moins 3 plus 1 plus 5, ou S2 plus 5, ça fait plus 3, puis S3 qui vaut S2 plus le terme suivant 9, c'est-à-dire 12, etc. Si je continue à rajouter les termes, plus 13, plus 17, plus 21, plus 25, plus ainsi de suite, la série va diverger dans le sens où sa somme, ou le terme général, va tendre vers l'infini. Alors si on prend un deuxième exemple avec un qui est égal à 1 sur n, donc la suite que j'avais prise auparavant également comme exemple, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Et donc on prend la série de termes général uk, c'est-à-dire la série de termes général 1 sur k, donc la suite en fait des sommes partielles, et ça nous donne 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus ainsi de suite. Là en l'occurrence, cette somme également diverge. Sans justification pour l'instant, cette série est ce qu'on appelle la série harmonique. Elle intervient dans un certain nombre de calculs, elle a son importance dans le calcul des séries, justement, série harmonique, et on sait que cette série est divergente. Par contre, si je prends une autre série, avec comme terme général 1 sur n carré, donc on aura 1, ensuite 1 quart, ensuite 1 neuvième, 1 seizième, etc. Et je prends la série correspondante, donc la série de termes général 1 sur k au carré, qui correspond donc à 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus 1 vingt-cinquième, 1 trente-sixième, etc., etc. Alors cette série-ci converge. Il s'agit ici d'une des séries de Riemann. Du nom du mathématicien Bernard Riemann. Ces notions de divergence et convergence viennent des notions de limite. Ici, en l'occurrence, la limite pour n tendant vers plus l'infini de la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des u indice k. Donc, c'est cet élément-ci qu'on fait tendre vers l'infini. Donc, on prend 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus, et on va en fait jusqu'à l'infini avec cette limite. Et cette limite vaut plus l'infini. Dans ce cas-là, la série diverge. Si par contre, la limite vaut un nombre, en l'occurrence, c'est le cas pour la deuxième série qui est la série de Riemann, on a limite pour n tendant vers plus l'infini de la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k au carré. Donc 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus, etc. Et on prend une infinité de termes. Alors, cette limite appartient à R, on a un nombre réel qui correspond à cette somme, et donc la série converge. Et en l'occurrence, elle converge vers le nombre d'or, environ 1,618. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt.